Bonjour, bienvenue dans le jardin et bienvenue dans l'épisode 7. Aujourd'hui, je vous présente le lilas, un arbuste que vous connaissez sûrement. Vous voyez que le lilas, c'est un arbuste qui a beaucoup de tiges, on dit qu'il drageonne beaucoup. Il a des feuilles vertes, mais alors, bien vert vif même. Elles sont ovales et elles sont opposées les unes aux autres. Vous voyez sur la tige, elles sont l'une en face de l'autre. Voilà, par opposition à des feuilles qui seraient alterne, je vous montrerai ça sur un autre arbuste. Alors, les fleurs sont réunies en grappes. Hein. Une fleur de lilas, c'est la toute petite fleur couleur lilas que vous voyez, qui est ouverte. Voilà. Et ces fleurs ont quatre pétales qui sont soudés à la base et qui sont comme une espèce de cloche qui enferme évidemment l'appareil reproductif, et les sépales entourent les pétales. On les voit, ils sont verts là, voilà, ils entourent les pétales. Voilà, ça ce sont les fleurs du lilas. Chaque petite fleur va former un fruit et donner une graine. Voilà, c'était le lilas. Je vous embrasse tous, je peux me permettre de le faire de loin. N'hésitez pas à dédicacer les fleurs si vous le souhaitez. À demain.